de danser. Sarah Robinson! Bravo, bravo! Oh mon Dieu! T'étais pas loin, Sarah. Hey, on dirait Amy Winehouse avec une joie de vivre. Ouais, c'était comme bizarre et agréable. Ouais, c'était comme... J'ai rien compris, mais je haïssais pas ça. Tu comprends? Il y avait de quoi de charmant dans toute cette incompréhension-là. Oui, charmant est le mot de... T'es le fun à écouter, même si on sait pas ce que... T'as même pas parlé de Victor Hugo! Je m'en venais. Il me restait 5 secondes. Après 2 minutes, t'as fait « ça va, tout le monde! » Ça, c'était ton meilleur gag, cela dit. Mais il est beau, là! Oui. Tout le temps une bonne idée. C'est un bel homme. Oh. Ouais, okay. C'était parfaitement disparate. Oui, t'as une bonne énergie, Sarah. T'as clairement une bonne énergie. Moi, l'affaire, je te dirais, puis ça va pour tout le monde en arrière, tous les jeunes humoristes, quand t'arrives sur scène, tasse le pied de micro. Des fois, il y en a qui jouent en avant. Là. Tasse-les. Tasse-les, t'as une belle présence sur scène, t'en as pas besoin. OK. Mais... T'es-tu sur le Xanax ou de quoi? Mais tu veux pas faire ça de ta vie? Non. Non. Tu fais quoi dans la vie? Tabarnak. Je suis professeur de français puis j'écris des livres. C'est hop. Ça paraît qu'on manque de profs. Wow. Les profs de français pour de vrai, hein, Sarah? Oui. Puis t'apprends à tes élèves à faire des textes concis et clairs. Oui. Non, je leur apprends à extrapoler leur énergie et à comme, développer leur imaginaire. Ouais. Quelle année t'enseignes? En fait, j'ai enseigné au secondaire pendant 2 ans. Puis là, maintenant, j'enseigne à des fonctionnaires fédéraux. What the fuck? Yeah. C'est vrai. Dans quel contexte? Dans un contexte professionnel. Mais genre, tu t'en vas-tu au Parlement puis tu leur donnes des... Non, mais... Tu fais pas des dictées au Parlement, là? C'est comme... C'est quoi enseigner le français à des fonctionnaires fédéraux? Ben, ils ont besoin d'obtenir leur niveau B, mettons, là. C'est comme des anglophones de fucking Calgary. Puis ils veulent obtenir leur niveau B. Fait que là, tu leur enseignes le français et tu leur apprends à communiquer de façon fonctionnelle. OK! Yeah. Hey, mais ton anxiété mixée avec ta joie de vivre est malade. C'est beau, ça méritait pas le 3 minutes, mais le 2 minutes 52 était on point. J'ai tout aimé. Bravo, vraiment. Ouais, bravo, Sarah. Sarah Robinson! Je l'adore! Fonctionnaire.